La violence est quasi quotidienne en Irak. Un nouvel attentat à la voiture piégée a eu lieu ce matin à Mashtal, un quartier de l'est de Bagdad. Il a fait au moins 12 victimes. L'explosion a eu lieu près d'un marchand de glace, alors que la zone était très fréquentée en ce jour de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, l'une des plus importantes du calendrier musulman. Une fois de plus, c'est la communauté chiite qui a été visée par les attentats. Jeudi, une autre série d'explosions a fait au moins 61 victimes en Irak. La violence en Irak connaît de nouveaux sommets depuis l'offensive en avril dernier par les forces de sécurité d'un camp d'entraînement de militants sunnites dans le nord du pays.